Rebonjour à toutes et à tous, donc toujours Kabuto Rider et Saint Peach en direct de Tokyo chez Bandai Namco. Yeah. Donc là nous allons parler de Tales of Zestiria. Il y en a tellement en même temps, il s'y perd. Ça fait au moins le 18e épisode. Il y en a des milliers. Donc tu as pu assister à la présentation, tu en parleras donc mieux que moi, sachant que moi t'es les Tales of... La présentation, ils se sont pas trop embêtés, ils ont présenté la démo. Donc en gros, je préfère parler directement de la démo. D'accord. Donc, vas-y, parle de la démo. Donc, la démo, on a eu le choix entre une partie du mode histoire et un autre mode battle où on pouvait s'en donner à cœur joie contre une tonne d'ennemis. Et j'ai donc choisi en premier lieu le mode histoire parce que j'étais un peu curieux et j'avoue que j'ai rien compris. En même temps, je connais pas trop cet épisode, je me suis pas trop attardé. Donc apparemment, le héros devait se rendre dans un village pour ensuite éliminer une sorte de gros dragon de ouf en fusionnant avec sa camarade. D'accord. C'est du pur manga. J'imagine que c'est la fin du monde, qu'à la base il n'est pas héros du tout, il va rencontrer des gens. Classique RPG quoi. Non mais là il fusionne avec une nana, du coup il a un character design trop classe, mais vraiment purement nippon, et il sort une arc de malade à tirer une flèche sur un dragon qui vole. Le pauvre dragon, en fait on sait même pas tant il s'est fait attaquer, c'est nous les méchants, on en sait rien, tu vois. Et donc ce que je peux en dire visuellement, c'est que l'aliasing m'a choqué, ça m'a fait peur. Après, est-ce que c'est le fait de jouer sur une télé, c'était 40 pouces, aussi qu'à 10 ans aussi, 40-50 pouces quoi. Et du coup, ça m'a choqué. Après, ce que je peux en dire, c'est que l'aspect animé, l'aspect cel shading, ça m'a plu. C'est très très typé manga comme très typé manga comme les autres Tales of. Ça reste dans la ligne des Tales of. Au niveau des combats, il y a eu c'était un peu le fouillis, il y avait des effets de lumière un peu partout. Au bout d'un moment, j'avais sûrement un peu la tête qui tournait, il fallait franchement s'y retrouver. À un moment, mon personnage, je savais même pas où il était en plein milieu du dragon, et puis il y avait plein de monde autour. J'ai dit, oh là là, il faut que je revienne en arrière. Et c'est du action RPG ou du RPG classique? En fait, c'est entre les deux. Donc, on est sur une map, il y a un ennemi, on rentre dans le tas, et puis d'un coup, on bascule en mode combat comme dans un classique RPG. Et puis là, on bascule dans un monde action, c'est-à-dire quand on appuie sur un bouton justement action, on peut taper l'ennemi, on peut enchaîner des gros pouvoirs. C'est pas du tour par tour. C'est pas du tout par tour. Et donc on a le personnage qui rentre dans le tas, encore une fois. Et ce qui m'a un peu dérouté, mais ça reste dans la lignée des Tales of, c'est le fait d'avoir un ennemi loqué et le fait d'avancer, reculer seulement vers lui. Après, il y a une gâchette, il faut rester appuyé pour ensuite... bouger un peu dans l'environnement, se déplacer, etc. Mais c'est un peu lourd, c'est un peu chiant. Enfin, c'est... Ceux qui ont l'habitude du jeu, je pense qu'ils vont vite s'y retrouver. Donc, niveau maniabilité, ça bouge pas d'un poil. Donc après, il y a des attaques de malade quand t'appuies sur une deuxième gâchette, tu peux combiner des attaques avec d'autres. À un moment, j'ai déclenché un truc, j'étais wow. Ça faisait hyper typé manga, animé. D'un coup, un gros plan sur un visage, puis pouf, on enchaîne, on défonce le monstre ensemble et tout. Mais ça reste du Tales of tout simplement, au niveau gameplay et voilà. Donc c'est du Tales of comme on aime, comme les fans aiment. Xillia a quand même attiré l'attention parce qu'il y avait un univers assez glauque, assez dark. En plus il y a eu une suite. Il y a eu une suite, donc c'est rare que les Tales of soient itérés. Donc ça avait titillé un peu les joueurs. Avec cet épisode, les fans de la licence vont s'y retrouver. Niveau histoire, je ne peux pas trop en dire parce que j'ai pas pu m'y pencher. De toute façon, soyons clairs, tester un RPG en 5 minutes, c'est assez compliqué. C'est un peu compliqué. Ça reste un aperçu à chaud comme ça. Donc en gros, donc ce que j'ai testé, justement, c'était le mode histoire. Il fallait aller d'un point A à un point B pour ensuite battre une grosse bébête. Et ensuite, il y avait le mode battle. Le mode battle, c'est l'objectif, c'était de terrasser... À bloc de bestioles, il y avait trois gros boss, je crois, et puis c'était bon, c'était fini. Voilà. Ça reste, je pense que certains vont s'y retrouver. Les nouveaux joueurs qui vont se lancer dans cette licence, peut-être qu'ils auront un peu de mal au début, ils vont s'y faire. Mais si vous aimez l'animation, si vous aimez les mangas, si vous aimez le Tales of, ça sera pour vous. Ça sera pour vous. Et ben voilà, donc c'était nos impressions sur Tales of Zestiria. Ouais, je refais la même, c'est bon. Et d'ailleurs, tu me feras le test. Hein. Oui, on verra ça. Non, c'est qui le responsable déjà?